Salut les Night Inhibitors, je suis Brigitte et j'aurais aimé savoir ce que vous avez été obligé de faire pour en arriver là. On a été obligé d'utiliser les connexions des parents de Eurobelix. Mes parents, ils sont richissimes. Bon, à la base, mes parents sont richissimes. C'est un gosse de riche, Eurobelix. Bah, je suis un gosse de riche, ouais, c'est ça en fait. Mes parents sont richissimes, donc du coup. Tu leur as forcé à. Non, c'est qu'à la base, ils connaissent un peu les présidents de pas mal de pays, donc il y a un moment où forcément on a fait le lien avec la musique. On aimerait bien garder ça un peu, tu vois, un peu. On a pressé la pâte, mais mollo. Confidentiel. Avec les moyens qu'on avait. Que ça circule pas sur Internet. Ouais, pourquoi il a une tête bizarre? Ok, je te réponds pourquoi j'ai une tête bizarre. J'ai été contaminé par un espèce de virus qui s'appelle la biomode. Et d'habitude, ça englue tous les gens, ils se transforment vraiment en monstres, ils ont plusieurs bras, ils sont tout gros, tout noirs, tout violets avec plein de pics. Et moi, ça s'est arrêté à ma tête. Et du coup, ça s'arrête à ma tête aussi parce que j'écoute de la musique et que je fais de la musique. Voilà. Quel est l'interprète de Chapi Chapeau? L'interprète? C'est une question. C'est quelqu'un de connu? Est-ce que je peux lui poser des questions pour un des indices? Ah, parce qu'il est parmi nous. C'est un extraterrestre ou je sais pas trop quoi en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on pourrait trouver ou impossible? Bon, si tu sais, tu sais, si tu sais pas, tu sais pas. France Gall. Bobby Brown. Mais deux fois ça lui est arrivé. Non, c'est retourné en fait. Ouais. Non, mais les mecs, bah, c'est. Chapeau. Moi perso, je suis dans le 19ème à Paris. Qu'est-ce que tu penses d'une femme qui est directive? Est-ce que c'est quelque chose qui te séduit? Ou est-ce que ça peut te faire peur? C'est une question que je me pose. Ça m'excite.